Allez, on n'est que Jean-Michel Baudouin qui présente le prix de Bretagne. Décoloration excellente, troisième, c'est la meilleure note pour finir dans le prix des Cévennes. Ouais, tout à fait. Hein, la jument, elle a très bien plu sa partie. Elle s'est fait un peu décrocher à la sortie du tournant. Ils allaient très vite à cet endroit-là. Et après, elle a refait une ligne droite de toute beauté. Donc, non, c'était super. Si elle est en pleine forme comme ça, elle est fabuleuse. Est-ce que vous avez pu améliorer quelque chose pour l'avoir plus performante encore dans le virage, dans le dernier tournant, ce qu'on connaît un petit peu ses Non, capacités? on va maintenant. Si, je pense que ça va être une course un peu plus rythmée. Donc, ils vont quand même aller moins vite. L'autre tour, ça s'est joué, on va dire, les derniers 700, que là, je pense que ça va jouer un petit peu au kilomètre. Donc, ils vont quand même aller, certes, moins vite dans le dernier tournant. Vous n'avez jamais caché de vouloir la qualifier hein, pour le Prix d'Amérique. Ici, l'occasion est belle, l'épreuve est très ouverte. Voilà, vous avez tout dit, hein, il y a 10 chevaux qui peuvent, il y a 10 chevaux qui peuvent, on va dire, qui peuvent gagner la course, qui peuvent rentrer dans les trois premiers. Voilà, il va falloir faire partie de ces 10-là, mais voilà, comme vous dites, elle peut en faire partie, comme elle peut être quatrième ou cinquième. Et à l'entraînement, tout est parfait? Tout est parfait, tout va super bien.